السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم وصلت معكم صفحة 25 من كتاب المتعلم والمتعلمة pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire la nouvelle édition الطبعة الجديدة 2021. وصلت معكم la lecture diction اللي كتقدم في الأسابيع 1 و3 و5 والأسبوعين الأسبوع الثاني وكذلك الرابع كيكون مخصص la production de l'écrit. C'est très bien. Donc, l'humain va donner la lecture diction. Je n'ai pas la lecture diction, mais quand tu as la lecture diction, c'est-à-dire les poésies. Ça fait cher. Ou la qasaïd chéri. Ça fait. Donc, on a le poème et les deux titres Le pays natal. Premièrement, on va répondre aux questions proposées dans la rubrique J'observe et je découvre. On va dire, ça fait. Regardez, j'observe et je découvre. La première question, quel est le titre de ce poème? Donc, je vois le titre. Le titre, c'est le pays natal. Le pays natal. Ça fait pays natal, que ça veut dire pays natal ou pays d'origine. Il y a une balade, les édifiés. Ça fait. Question 2, d'après l'image, à qui pense ce jeune homme? D'après l'image, il y a une telle akamasora. Fait qu'il fait le jeune homme. Had shab. Fait qu'il fait donc il fait a dit. Donc, il pense à sa famille, d'accord. Il pense à sa famille. Ou la bedabt, ses parents, d'accord. Ses parents. L'Oualedine dit. Ses parents. D'accord. Question 3. D'après le titre et l'image, ce jeune homme vit-il encore avec ses parents? Ou je baki ki aïch ma Oualedi? Non. Et tu vois qui te fukarhom, donc ou ma ki aïch ma, donc il vit. Il vit loin, qui est Béhid, Béhid de sa femme, d'accord? De sa famille. Béhid, elle il tout, d'accord? Vit-il encore dans son pays natal? Ou est-ce que qui est Fbladou, l'Asliya ou le Bladou, l'Izadfiha? Non. Non. Il vit sûrement. Tabiat l'Hadra, qui est Fahim, qui est Barra. Fouahd, le pays, dans un pays, les ou étrangers. Pays ديال الغربه صافي pays ديال الغربه c'est bien. جاوبنا على les questions proposées dans la rubrique j'observe et je découvre. Maintenant je vais réciter le poème, d'accord? C'est bien, suivez avec moi. Le pays natal, le temps à ses heures oisives, plein des choses d'autrefois, les yeux ont des larmes furtives qu'ils n'osent confier qu'au bois. Là chaque plume que l'orage détache du nid de l'oiseau m'apporte un rêve du jeune âge, un souvenir de mon berceau. C'était la table hospitalière qui nous rassemblait chaque soir. Hélas, à l'appel de ma mère, tous ne reviendront plus s'asseoir. C'était l'air pur de nos bruyères, c'était au flanc de nos couteaux, les prés déroulés solitaires entre les bois et les ruisseaux. D'accord? Donc, à quoi tu as le poème, d'accord? خصنا نبينو لي ريم يعني نبينو داك القافيه صافي سا سي لو بويم هكا كيتقرا صافي هكا كيتقرا دابا غادي ندوزو بور ريبوندر او كيسيون بروبوزي دون لا روبريك جو كومبران افهم بروميير كيسيون جو لي سيلونسيوزمون لو بويم قرا سيلونسيوزمون لو بويم حنا قريناها اوت فوا دو فوا بوي جانديك من بعد غادي انديكي هذا الشيء هذايا لو نومبر دو ستروف شحال عندي ديال ستروف شحال عندي ديال بحال الفقرات اللي حنا كنقولوا لهم الفقرات في لو تكست اللي هو عادي ولكن في لو بويم سو سون دي ستروف داكور سو سون دي ستروف دونك كومبيان دو ستروف regardez il y en a 1 2 3 et 4 4 strophes d'accord 4 strophes il y en a donc 4 strophes 4 strophes. Question 2, le nombre de vers de chaque strophe du poème. شحال عندنا ديال الابيات الشعريه في كل strophe. D'accord. Regardez, on a 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Donc il y en a 4 vers dans chaque strophe. 4 vers. 4 vers dans chaque strophe. D'accord? Dans chaque strophe.
C'est bien. Question 3. Les mots qui riment dans la première strophe. Première strophe, les mots qui riment. Yani les mots qui ont donné le qafia. Fin qu'il y a le qafia. La première strophe. Regarde. Première strophe, où est-ce? Le temps à 6 heures, oisive, plein des choses d'autrefois. Les yeux ont des larmes furtives qu'ils n'osent confier qu'au bois. Donc, fin qu'il y a la rime, qu'il y a la oisive, furtive. Foie, bois. D'accord? Foie et bois. Donc, Naya, j'adendero, comme ça. Ici, oisive, oisive. Naya, furtive. Yeah. O, un des fois, autrefois. Autrefois. Maha, bois. Donc, Naya, finkena la rime. V, v. Furtive, oisive, autrefois, bois. D'accord? Deuxième question, je réponds aux questions. J'ai oublié la question. Question A. De quoi se souvient le poète? Je ne quitte pas le poète. Donc, le poète, il se souvient de ça. Donc, il se souvient de sa famille. D'accord? De sa famille. Il a dit, avec qui vivait-il? Fin kankeish, m'aben kankeish. Il vivait avec ses parents, il vivait. Il vivait avec ses parents. On a le verbe vivre, mais ça reflète l'imparfait. L'imparfait, le temps de passer. Il vivait kankeish, m'a avec ses parents, tout simplement. Avec ses parents, avec S. Question C. Vivait-il en ville ou à la campagne? Qui est-ce, la campagne ou la ville? Fil qaria ou la fil medina? On a besoin de les kalimat qui est ou bien aura qui est-ce, la campagne? Pelage. Pelenaya, l'oiseau, il y en a le bois, il y en a aussi bruyère, il y en a des coteaux, il y en a ruisseaux solitaires, il y en a du bois, d'accord? Il y en a des prés, ce sont des mots. Qui indique la campagne. Ruisseau, les bois, les prés, c'est le mot rouge, etc. etc. D'accord? Donc, à la campagne. À la campagne. Kankirish, la campagne. Et là, et kalimat, bois, ruisseau, etc. C'est bien. Question D. A-t-il gardé de bons ou de mauvais souvenirs de son enfance? Wesh, khalla, yani des bons ou là, de mauvais souvenirs? Yani, dikrayat. Donc, il a gardé. Il a gardé. Il a gardé de bons. De bons souvenirs. De bons souvenirs de son. De son enfance, d'accord, de son enfance. Et on passe maintenant à la rubrique je dis bien le poème, karamzien le poème, je lis le poème d'une manière expressive, je marque les pauses. C'est bien. Suivez avec moi, je vais vous lire le poème pour la dernière fois. Regardez. Le pays natal, le temps à 6 heures oisives, plein des choses d'autrefois, les yeux ont des larmes furtives. Qu'il n'ose confier qu'au bois. Là, chaque plume colorage, des taches du nid des oiseaux, m'apporte un rêve du jeune âge, un souvenir de mon berceau. C'était la table hospitalière qui nous rassemblait chaque soir. Hélas, à l'appel de ma mère, tous ne reviendront plus s'asseoir. C'était l'air pur de nos bruyères, c'était au flanc de nos coteaux. Les prés déroulés solitaires entre les bois et les ruisseaux. Donc, voilà le poème. Le pays natal. Quand on va terminer la vidéo d'aujourd'hui, quand on fait la lecture diction pour la page 25, il y a le livret d'apprenants et d'apprenantes pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. Quand on a un comme dit de la chaîne Tarbouya, je suis Ahmed Boukhari, je suis là pour vous faire la vidéo. Je suis prêt à vous faire la vidéo que je vous كان معكم أستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.